C'est bon pour vous, vous êtes chaud? Vous êtes chaud les gros, vous êtes chaud? Vous êtes chaud, c'est parti? Ah, c'est parti. Un tunnel bleuté, équipé de lampes dernière génération. Ah, les voix sont en français? Les voix sont en français! 10 sur 10. Oh putain, j'adore ce jeu déjà. Papa, on est arrivé chez maman. Dors encore un peu, ma vie. Et dès que tu ouvriras les yeux. C'est en français? On le saura. Papa, tu as pris tes médicaments aujourd'hui? C'est ma phrase, ça. Papa, on va où maintenant? Un accident de voiture? Notre fille, du coup. Elle a survécu au crash. À nous, par contre, on l'a mal vécu, le crash. Bon, on a survécu, Enfin, tu es de retour. Bah oui. Qui êtes-vous, monsieur? Qui me parle, là? Eh, cette phrase-là, enfin tu es de retour, je devrais la mettre pour les resub. Quand il y a un c'est une bonne idée, ça, non? Quand il y a un resub, je vais enregistrer ce moment de la vidéo, je vais enregistrer la voix du gars, et quand il y a un resub, on va entendre « Eh, enfin tu es de retour !» C'est une bonne idée, non? Vas-y, je vais faire... En vrai, je vais faire ça, vas-y. Ok, on a un inventaire. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Une pile de papier lingot. Bon alors, pour vous expliquer un peu ce jeu... Déjà, je vais essayer d'augmenter un peu la luminosité, parce qu'on voit que dalle. Luminosité. Est-ce que je peux la mettre genre à fond? Qu'on y voit quelque chose, quoi? Ah, mais il y a une lampe, là. Je me disais, le jeu est vachement sombre. C'est bon. On a une lampe. Ah bah voilà. Ah bah c'est beaucoup mieux. Ouais, du coup, pour ce jeu, les Crows, c'est un jeu chinois, si je me trompe pas. Et il y a énormément d'énigmes. Ça va être un jeu avec des énigmes et de tarés. Donc on verra. Mais on va... Je pense vraiment qu'on va être vite bloqué. Bon, on a ramassé des papiers jaunes. Bon, en tout cas, graphiquement, c'est stylé. Des allumettes, ok. Je prends. Poupée vaudou, je prends. Contrôle. Oula, je peux me planquer de... Ouais, je peux me planquer sous la table, comme ça. Relion. Bah, on vient de commencer. T'as rien loupé, tout va bien. Je ne suis pas mort. J'ai pas vu ça! C'est quoi ces conneries? Y'a un mort? Y'a plus de tête? Y'a plus de tête? On va allumer le feu, comme dirait Zozo. Hein? Besoin de plus de lingots. Ah, il faut que je trouve plus de lingots. Très bien. Bah, cherchons plus de lingots. Là, il y a un disque. Ça, je vais en avoir besoin à mettre sur la machine à disque là-bas. Ok. C'est bien fait, Oula. Ah, il y a un tournevis, mais il y a des insectes, ok. Va falloir que je trouve de l'insecticide. Quoi ce bruit là? Papa. Je suis là chérie. Saute dans le trou. Vêtements de voyage. Je suis assez impressionné que le jeu soit doublé en français. C'est assez rare dans les jeux d'horreur. Ça n'arrive même presque jamais, à part les gros studios.
comme Outlast par exemple. Mais un petit jeu. Ah, la tête est là. Ah, mais c'est un mannequin. Mais c'est un mannequin, c'est pas un vrai homme. Bon, allez, on met les lingots. Est-ce que maintenant je peux cramer le machin? Ouais. Le son est bon pour vous? Il y a assez de son, les causes, le jeu? Vous entendez bien ce qui se passe? Vous me dites, hein. Un vase. Insecticide. Oh! Bonsoir Arizona. Son ok? Ok, nickel. Si je dois augmenter, vous le dites. Hein. Ok, on a l'insecticide pour les petits cafards là. Allez, ça dégage. Préparez la soluce. Hein. Je vais vite être bloqué. Hein. Préparez la soluce. Hein. Manivelle. Une manivelle. Encore une allumette. Faut vraiment fouiller dans ce jeu. Le disque est déformé. Est-ce qu'on peut combiner des choses? Non. On peut pas combiner de choses, ok. Ah! Ah 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 ah. Vous avez entendu le clic-clic? On vient d'utiliser le... La manivelle, ah, qui se trouve là, du coup. Ah oui, on a mis la manivelle ici, putain. Le problème, c'est que le disque est tordu. Le disque est déformé, comment on va le mettre? Faut qu'on arrive à reformer le disque, mais comment on va faire ça? Ah. Publicité porno. Photo, oh putain. J'allais dire un mot. Je suis désolé. Hein. Phonographique. Une chaleur excessive pourrait déformer ce disque. Ah! Une chaleur excessive pourrait déformer... Ben ça, mon gars. Ah ! Putain, on est trop bon. Ah, je suis pas le seul, Sker, c'est bien. Ça va, je suis pas le seul à avoir lu ça. Allez, c'est bon, on met le disque. Ben, je vais le finir en 2-2, ce jeu. Hop ! On fait tourner la manivelle. Allons, on refait tourner la manivelle. Attention les enfants. Je sens mal. Oh. Clé en cuivre 3. C'est, je commence à avoir peur. Clé en cuivre 3. La clé en cuivre, c'est là. Oh putain, c'est ça. Ouais, je pensais être bloqué dès le début du jeu. Mais au final, ça se passe plutôt très bien. Ok. Nouvelle zone. Toi, je te prends avec moi. Allume la bougie pour encenser. J'ai pas. Ah là, allumette. Ok. Donc ça. Là. Putain, les bruits d'allumettes me font peur. Clé en laiton 2, parfait. On va faire une petite prière. Béni par la divinité, cet endroit est sans danger. Ah, ça fait plaisir ça. Donc ici, c'est un endroit où il peut rien nous arriver. Alors en fait, là, ce qui me fait peur, c'est qu'on peut vraiment se planquer, tu sais, sous les tables et dans les... et dans les casiers. Donc ça, c'est un peu le truc qui me fait peur, quoi, mais... Je peux pas aller là-bas, ok. Bon, on a chopé la clé en laiton. On a chopé la clé en laiton. Ok, let's go. Je le sens mal. Je sais pas à quoi m'attendre dans ce jeu, putain. Je vous jure. On a chopé des poupées aussi. Là, on a la 2, la 4, la 8.
Je sais pas ce que ça fout là. Hello? C'est la folie. Ils sont tous fous. Quelque chose est vraiment arrivé à l'étage. Ah! Oh, on me jette des trucs! Ouh! Ouh! Ah! Prévenez, hein. Bon, bah, rip. Hein. Nous assistons à notre première mort, les crozes. Oh, putain. Attends, donc, il y a des QTE. Ah, ouais, mais... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis en QWERTY. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être jouer à la manette. Attendez, est-ce que la manette va fonctionner? Ah, c'est bon. On va jouer à la manette. Ça va être plus simple pour les QTE. Ok, on fait gaffe. Il y a quelqu'un là-bas. Je m'en doutais qu'il y avait quelqu'un là-bas. Quelque chose est vraiment arrivé à l'étage, ok. Vous êtes prêts? Putain de merde! Ah! YB, je l'ai fait, hein! Oh, c'est bon. Oh putain! Oh putain! Mais lâche-moi! Mais lâche-moi! Mais dégage! Avec ta vieille bouche là! Avec ta vieille haleine! Ah, chérie! Chérie! Oh, c'est trop bien fait! Eh, c'est bien fait! Putain, ça fait flipper ces conneries là! Merde, y'a notre fille qui était là, elle l'a poursuivi le fantôme là! Eh, c'est pas dégueu! Mais j'aime bien ce jeu là! Eh, je crois qu'on a bien fait de lui donner une chance, c'est quoi? Servante Ding Zeg Yang! Elle est trop shoot! De quoi elle est trop shoot? Tu parles du démon là? Y'a rien de shoot là-dedans, hein. Je te le dis. Hein. Bandage. Ok. RB. Ok, je peux me planquer encore là-dessous. Je suis dégoûté parce que j'étais à fond. Mes connexions méga pourries. Je suis vraiment désolé, je devrais y aller. Bon live à tous. Ça marche, Voka. Bonne soirée à toi. Profite bien. Encore une poupée. Wouah! Oh, avec la touche B. Avec la touche B, je peux... Je peux me retourner comme ça très vite. Bien ça. Mais c'est pas mal ce petit jeu là. Nounou Chen a fait bouillir un médicament dans la maison de thé et l'apportera à madame avant midi. J'ai peur. On va essayer de tout fouiller. Hein. Une allumette, cool. Encore une poupée. Ok. Là-dedans. Et oh putain de merde. Je le savais. Putain, c'est une momie. Elle ressemble étrangement au fantôme quand même, hein, vous êtes pas d'accord? Hein? C'est pas le fantôme qu'on vient de voir ça en vrai. Je ne peux pas l'utiliser. Oh. Je referme. Alors, je peux aller là, je sais pas pourquoi j'ai envie d'allumer cette. Je sais pas ce que ça fait quand on allume les bougies. Bon, ce coin est clairement trop creepy. Oh putain! N'aie pas peur, Molly. Je trouverai la clé dès que possible. Le doublage est tellement pété. Ne t'inquiète pas, Molly. Je trouverai la clé dès que possible. Qui dit ça à sa fille dans ce genre de situation, quoi?
Super doublage, hein. Vous avez vu ça? Je vais doucement. Hein. Je vais doucement parce que ça peut sauter à tout moment. Hello? J'ai juste récupéré ma gosse. Hein. Oh là là, oh là là. Oh, encore une armoire. Ah. Ça pouvait pas mieux se passer, hein. Hein, les crozes ? Ça pouvait pas mieux se passer que ça. Hein. Nickel. Bon, on a la clé en. On se casse. On a la clé cuir. Mais il est bien ce jeu. Vous en pensez quoi du jeu pour l'instant ? Votre avis ? De ce début de game. Wow ! Ah ouais ? Pas dégueu, hein. Bon, moi j'ai un peu peur quand même, hein. L'ambiance est là. L'ambiance c'est là. Les énigmes sont pas très compliquées pour l'instant. Je m'en sors. T'es pas abonné, Scare? C'est quoi ça? C'est quoi cette modo là? Scare? Je ne peux pas l'utiliser. Du coup, on a la clé en cuivre. On va essayer de trouver une autre porte en cuivre, peut-être. Ah bah là, regarde. Bah voilà. Non, c'est pas grave, Scar, t'inquiète. Je rigole, hein. What? Ça devient chelou, là. Je vous serrerai bien la main, les gars, mais vous êtes trop nombreux. Hein. Allez, nouvelle énigme. Les lampes de poche. La lampe de poche est trop brillante. Okay. Ah oui! Oh! Lenali! Merci beaucoup Lenali pour ton sub, pour tes 2 mois. Merci beaucoup Lenali. Merci à toi, c'est très gentil. Je vois un truc vert à gauche là. Et je vois une lampe à droite. En fait, je vois rien quoi, il y a pas grand chose. Je crois avoir compris. Je pense que le vert, quand on... Voilà, regardez, ah c'est ça, regardez. On voit du vert, ça nous indique la porte à prendre. Donc là, la porte à prendre se trouve derrière nous. Putain, je suis trop bon, c'est ça hein. Hop, voilà. Regardez, c'est ça, putain, j'en étais sûr. Je suis content! J'arrive à jouer sans énigme, putain! Donc là, c'est celle à notre droite. Yes! Clé en laiton 3. Ah, je suis content, j'arrive à jouer aux énigmes. Enfin, j'arrive à les résoudre. Chose très rare. Hein. J'arrive à jouer. Ah, c'est ça que j'ai dit. Non, j'arrive à résoudre les énigmes. Oula. Bah, je crois que notre fille est morte, hein. Je crois qu'elle est décédée, hein. Vu les cris qu'elle vient de pousser, là. Ok. Je peux pas rentrer ici, d'accord. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner gentiment en arrière. Dans le plus grand des calmes.
Ça commence à être grand là, je commence un peu à me perdre, je vous avoue. Je commence un peu à me perdre. N'y va pas, Toshi, c'est plus ta fille, c'est un démon. Ah, j'ai compris les nains. J'ai très bien compris hein, que c'était un démon. Moi là, je veux juste partir. Hein. L'objectif, c'est même pas de récupérer la gosse. Hein. C'est de me casser. C'est de me casser. Hein. On peut courir, ça c'est bien, on peut courir. Par contre, on court 2 secondes. On court 2 secondes. On n'a pas du tout de cardio. Hein. Je sais pas où je vais, putain. Ah, on revient ici, d'accord. Ah, on revient ici. Ok. On a débloqué un petit raccourci. Ah, vase vide. Je viens de choper un vase vide, les crozes. Ah. Ah. Vous avez vu? Regardez. Il faut qu'on trouve un truc lourd à mettre là. Il faut qu'on trouve un truc lourd à mettre là-dedans. Ok, il faut qu'on trouve un gros vase. Il faut qu'on trouve un gros vase. Ludy, bienvenue Ludy. Tu vas bien Ludy? Ah là, c'est ici l'eau. C'est ici l'eau, on a trouvé l'eau. Bienvenue monsieur Barba Papa. Bienvenue à toi. C'est là. Donc faut qu'on mouille ça. Putain, on est trop bon. Bon, par contre, qu'est-ce que ça change du coup? Fiche complète Tiger de cloche. Vous y comprenez quelque chose, vous? Ouais, le vase est cassé, faut que je le remplace par autre chose. Il fallait remplir le vase. Il fallait le remplir. Mais c'est tellement logique. C'est tellement logique. Ah, il y a la tête là. Ok. Donc... Eh, hey, merci pour les 100 bits, Lenali. Merci à toi. Alright, les crozes. Nous avons le vase rempli d'eau. Yes, oh là là, oh, oh. Bah, dis donc. Oh, diable, c'est très gentil, ça. Putain, diable. On applaudit, diable. Oh, c'est trop gentil. Merci, diable. Diable qui offre un sub à Scare. Bah voilà, Scare, tu peux mettre tes émotes maintenant. Tu peux les mettre, c'est gentil, Diable, merci beaucoup. Bon, on vient de débloquer cet endroit là, putain. Non mais en vrai, ce jeu est bien, putain. Et pire désillusion de l'année, je vous jure. Je m'attendais à un jeu tout pourri, il est trop bien. Faut réfléchir, Toshi, tu te souviens de Song of Horror? Tu as débouché les toilettes et maintenant je dois reboucher. Ouais, ouais, je sais, Vocal. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Ah ouais. Ah ouais, mais du coup, comment? Ah, mais du coup, j'ai pas. Ah, attendez. Il faut que je remplace ça. Ça, je vais en avoir besoin, mon avis. Mais le problème, c'est que, ouais, faut que je remplace ça, du coup, par autre chose. Et j'ai rien. Faut qu'on aille aux cloches. Par là.
Hello? Ah! Mais dis donc, ça part en ruine ici, bordel! Ils font peur. Putain, c'est grand, hein. Oh, l'étage! Ah putain, il y a l'étage. Oh là là, on nous a vendu dans le jeu. On nous a dit clairement que l'étage, c'était le pire endroit de la baraque. Hein. Ah merde. Et il y a aussi ça, là. Ça, on peut se planquer là-dedans, moi, ça me rassure pas. Bon, attendez, avant d'aller à l'étage, je vais... J'ai l'impression de voir des ombres. Il y a quoi, là? Donc là, c'est fermé, ok. Oh oui! Sauvegarde. Sauvegardons les crozes. Omewa mo shinderu. Ok. Encore un raccourci. Cool. On vient de débloquer deux raccourcis. Oh là là, il va falloir aller à l'étage. Hein. On va d'abord aller par là. Je suis content parce que depuis le début du jeu, j'ai pas eu besoin d'aide. À part pour l'eau. Bon là, c'est violet, je sais pas pourquoi. Il y a de la fumée rouge et il y a de la fumée violette. Je joue pas à Fortnite, Aiko. Ah putain de merde, mais elle me casse les couilles là. Dégage, saleté de démon. Putain. Elle me fait peur à chaque fois. Mais il n'y avait rien dans ce coffre. Embrasse-moi Toshi, ouais c'est ça, ouais. Dans ses rêves. Attendez, je vois quelqu'un derrière là. Je crois que je vois quelqu'un derrière là. Bon, bah on va monter à l'étage. Fais chier. J'ai pas du tout envie de monter à l'étage. Ça me fait chier. Mais je n'ai pas le choix. Putain, il y a une saleté de lapin qui m'attend en haut là. Saleté de lapin blanc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu restes tranquille, hein. Bon, on m'a dit que l'étage était chaud. C'est vrai, petit lapinou? Tu me confirmes que l'étage, c'est chaud? Personne. What? Hein? Ah! Enfoiré! Non! XA! Oh putain! Un putain de samouraï! Oh putain, je dois courir! Mais il veut pas courir! Il est tout lent! Waouh, 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 il fait flipper! Il fait peur! Merde, je dois aller où? Oh! Eh, merde, je suis bloqué! Oh putain! Oh y'a blablabla. Putain, je devais aller où? Oh non! Première course poursuite et je me fais enculer quoi. Bah ouais, mais y'avait pas de placard, Voka! Il y avait pas de placard. Je me suis trompé de touche. Bon, ça va, ça arrive. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous, hein, les crozes. Faut savoir. Attendez, avant d'y aller, genre tac, tac.
Ah ouais, moi je suis parti par là. J'ai fait ça. J'aurais peut-être dû continuer tout droit, ouais. Bah ouais, parce que là, y a rien. Là, hop. Qu'est-ce que j'aurais fait après? J'aurais peut-être été à droite. Attends, je fais ma... Putain, y'a rien pour se planquer, les crozes. Là? Même pas. Oh. Ah, là! Là, y'a une armoire, ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Klaus Wundermann. Je sais pas pourquoi je le prononce avec un accent allemand. Mais bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Allez, go. Commence à me faire chier celui-là. Êtes prêts? Vous êtes prêts, les crozes? Vous êtes prêts? Allez! Hop là. Ok, go. Donc là, on va continuer tout droit. Et il veut pas courir, hein, c'est un truc de dingue. Le mec se fait poursuivre par un démon samouraï. Et il arrive, je vous jure, il arrive pas à courir. Je suis obligé de... Mais cours, enculé! Darkness, merci beaucoup. On applaudit bien fort. Merci. Déjà 3 mois, j'ai l'impression que c'était hier, dis donc. Déjà 3 mois, c'est vrai. Merci en tout cas pour ton resub. Merci, ça fait plaisir. T'as des bandages. Ah, ça sert à ça les bandages. Mais d'où je suis blessé moi? Attends. Je peux pas les utiliser. Hein. Je peux pas les utiliser les bandages. Ah si. Hein? Ah bah je vais mieux. Bon, fais gaffe parce que maintenant il y a un samouraï qui se balade dans les couloirs, les crozes. Donc là je crois que vraiment ça commence à... C'est quoi ce bruit? J'y vais? Pas venu ici, je crois. Ah si, c'est la sauvegarde, ok. Bon, tu sais quoi, on va sauvegarder. Au moins, on est sûr de pas refaire ce passage. Mais ouais, du coup, il y a un putain de samouraï, quoi. Vous avez vu? Bon, j'espère que vous appréciez ce live, en tout cas, les crozans. J'espère que vous passez un bon moment. On va essayer de remonter. On va essayer de remonter. Je prends le risque. De toute façon, je sais où me planquer, donc... Ou alors, on évite... Oh merde. Oh merde. Ouais, fait vraiment pas que je monte, hein. Putain, il y a le samouraï qui est en train de garder l'étage, en fait. Ouais, ouais. Non, ça sert à rien que j'y aille, hein. Ouais, non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ok. C'est quoi, ça? Attends, on l'avait pas, ça, avant. Vafjakilakaka. J'avais pas, ça. À quoi ça peut nous servir, un vifjakalakaka, les crozes? Vifjakalakaka.
première fois que j'entends ça. Hein. Bon, faut qu'on trouve à quoi sert ce Vigil à caca. Ah ! Oh putain ! Mais c'est pas vrai, je me suis refait avoir ! Oh, elle m'emmerde, elle, hein. Tu l'auras pas, ton bisou, saleté. Un vif jala caca. Oh, oh merde. Ah, 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 ah. Mais cours. Mais cours. Mais putain. Il veut pas courir. Il veut pas courir. Ah, ah oui, mais je peux aller à l'étage du coup. Attends, s'il est derrière moi. Eh, s'il est derrière moi. Ah non, merde. Oh putain. Ah. Mais ils sont combien? Mais ils sont combien? Putain. Ils sont combien, merde? Sérieux? Attends, il y en a trois. Il y en a trois. Ils sont trois, hein. Putain. Je suis arrivé au début du live, bien sympa ici, contente de follow et de la découverte. Bah bienvenue Louarn, je suis content que tu kiffes. On fait pas mal de jeux d'horreur, nous on aime bien ça l'horreur. Coucou Luna, ça va Luna? Il y avait un corps sous une couverture dans une salle, peut-être tu peux interagir avec... Ah, tu crois qu'avec ça, je peux la... Avec le Valakaka? Valvagicala... Enfin bref, tu crois que je peux le... Planter le corps sous la couette? On peut tenter. C'est une théorie, HK. Je prends compte. Je prends note. De toute façon, on va être obligé de l'utiliser. On va être obligé de l'utiliser. Darkness! Darkness! Il est trop gentil, Darkness. Allez, on applaudit parce que là, vraiment. Merci, Darkness! Ah, bah, du coup, Louarn, tu vois, tu as eu un sub offert par Ziziz Darkness. Tu vois, on a une communauté très. Très soudé, très très sympathique. Hein. T'as vu? T'es nouvelle et on t'offre un sub. C'est beau, hein? Bah, bienvenue, du coup. Oh, merde, il est là. Oh, putain. Hey, y en a vraiment un qui se balade dans les couloirs. Hein. Oh, ça va être compliqué. Attends, je vais devoir faire gaffe de ouf. Oh, il arrive. Oh, vite, 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 vite. Éteins la lampe. Oh là là, on part sur du alien isolation, mon gars. Va falloir se cacher tous les 3 mètres dans une putain d'armoire. On est dans la merde. On est clairement dans la merde. Allez. Bon, le gros problème, c'est que je peux pas courir. Enfin, vraiment, notre perso veut pas courir, tu vois. Ah, c'était là le corps. Ah, je peux pas. HKO. HKO, ta théorie ne fonctionne pas. Ah, ça marche pas. Alors, à votre avis, putain, à quoi sert ce truc? La dague est sur le dessin? C'est pas vrai. Ah ouais! La dague est en haut. Bien vu. Donc, ok, donc la dague est en rapport avec les clochettes. Ok, j'ai une idée. Putain, je viens d'avoir un éclair de génie. Est-ce que si je vais là, avec la dague, je vais pouvoir couper les clochettes? Ou un truc du genre.
Oh putain. C'est même plus du génie là. Hein? Ça ne relève même plus du génie, les Crozes. Ça relève de... C'est au-dessus. Ok, on a une nouvelle énigme. Alors, du coup, je pense que le dessin qu'on a, c'est l'ordre. C'est l'ordre des clochettes. Alors maintenant, on va savoir comment... Oh putain. 3 oranges. 1, 2, 3. 5 bleu clair. 1, 2. Merde, l'autre il arrive. 3, 4. Merde, l'autre il arrive. 5, 6 violet. Ah, il arrive! 3, 4. Ah, 5, 6, 4 jaunes. Je vais pas avoir le temps. 3, 4. Ah, 2 verts. Et un rouge. Ah putain! Ah, on n'est pas en sécurité! Oh, on n'est pas en sécurité! Merde! Ah, il m'a fait peur! Bon, je pense pas que c'était ça en vrai la soluce. Ah, il m'a fait peur. Okay. Oh merde. Je vais m'enfermer avec mamie. Je vais m'enfermer avec mamie, vite. Ouais, t'as vu comment il est arrivé sur le côté? Non, ça a rien fait, Elena. Je pense que ça a rien fait. Je pense que c'était pas ça. Il va falloir trouver autre chose. 4 jaunes. Merde, il arrive. Oh non, 2, 3, 4. Merde, bleu clair. Oh putain, non. Merde, je me suis planté. Mais putain, c'est la panique aussi. Il a un putain d'enculé de ta mère. Oh non, il allait partir. Non, 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 il allait partir. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la S, c'est la famille. Je te jure, j'ai pas le temps. Oh. Attends, faut que je mette vraiment dans le chat, genre, faut que ça aille plus vite, tu vois. Faut que ça aille plus vite, les Crozes. Hop, donc rouge, vert, il y a un ou un rouge. Attendez, je vais noter comme il faut. Vert. Orange. Jaune. Bleu clair. Violet. Ah putain, vous êtes des génies. Ah, je vous aime, les Crozes. Toi aussi, je t'aime. J'aime tout le monde. Vite, on ferme les portes. L'autre, il va arriver. Ah, vous êtes trop fort. L'autre, il arrive, par contre, on va se planquer là-dedans. Oh putain, bravo les Crozes, bravo vraiment, gros GG, on applaudit bien fort. Non, vraiment là, bravo, bravo. Bravo, 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 bien joué. Ça, c'est pas des énigmes si dures que ça, tu vois, c'est pas... Ça passe, hein. Vous avez vu? On n'a pas besoin de soluce, hein. Bon là, on a réussi à se planquer pile au bon moment, c'est cool. Ah putain, on a géré, hein. On a géré, on a géré. C'était cool. C'était cool. Bon, du coup, on arrive où, là? C'est quoi, cet endroit? Sucre noir. Les âmes sont juste des illusions. Elles n'ont aucun endroit où aller. Avec le temps, elles se transforment en âmes démoniaques. Cet artefact peut invoquer des âmes, éliminer le vide et l'obsession. Cependant, les âmes ont une hostilité. Elles doivent d'abord être scellées avant d'être détruites. Faites un homme en papier avec du bambou et une feuille blanche, et attirer l'âme avec sa précieuse possession. Quand un son sort de l'artefact, l'âme est scellée. Oula. Tu peux mourir. Alors, pour survivre, tu dois le sceller. Cette voix va finir dans mes alertes resub, hein, je vous le dis. Ça va finir dans mes alertes resub. Ah, un peigne. Je peux prendre le peigne. Alors, on a pris du sucre noir et un peigne. What? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, putain?
On va se peigner en mangeant du sucre devant une glace. Bon bah je crois qu'on a tout fait là. On va essayer d'aller sauvegarder. Ah. Quoi, je dois le peigner? Mais il a plus de tête. Ça n'a aucun sens. Mais il a plus de tête! Qu'est-ce que... Par le pouvoir du Saint-Esprit, je te libère. Je ne sais rien de leur drame familial. Je suis juste un simple visiteur ici. Hmm. Ok, mec. Et alors, tu t'es... ça te plaît ici? Trop stylé. Tu vas me donner un truc ou... D'accord. Bon, j'ai plus le peigne du coup. What? Bon, au moins, on a utilisé le peigne. Maintenant, faut utiliser le sucre. Mais je peux passer ici du... Ah! Oh, merde! Il y a le samoumou! Ah! Y'a le samoumou! Ah, mais oui, on peut passer maintenant, d'accord. Je viens de comprendre. En fait, on a libéré l'esprit qui était à terre, et du coup, sa tête... Vous vous souvenez? Au début du jeu, il y avait une tête qui se soulevait, et on pouvait pas passer. Maintenant, on peut. C'est bon, c'est débloqué. Parfait. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, les roses. C'est bon. C'est good. C'est good. Regardez. Logiquement, attends, je peux encore me tromper. Hein. Je peux encore me tromper, mais... Voilà, si je passe ici... Déjà là... Là, on a une allumette. J'allume la bougie. Okay. Ici. Hop. Non. Ok, ici on a un petit nœud. Et là... Oh, je peux pas y aller. Et le bruit vient d'ici. Eh, le bruit vient de là. Merde, j'ai pas la clé. Bon, du coup c'est bien, on a débloqué ce chemin. Par contre... Attendez, j'ai une allumette. Ah! Mais connasse! Mais elle... Elle, je vais la déglinguer. Hein. Mais je vais la déglingo. Hein. Vous avez vu? En fait, elle nous piège depuis le début. Dès qu'on clique sur un objet, en fait, ça se transforme en saleté de démon. Bon, bah écoutez, les crozes, et si on allait sauvegarder? Hein? C'est bon. Ah, voilà, c'est bon. Du coup, écoute, avant de commencer, je voulais juste vous demander une chose très importante pour mes prochains lives. Horreur, en tout cas. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Parce que je sais qu'il y en a qui procèdent comme ça. Donc, dites-moi vraiment si je dois le faire ou pas. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent mes lives en plein écran. Mais du coup, en plein écran, tu vois pas le chat. Du coup, est-ce que je devrais mettre le chat genre dans un coin là, tu vois, dans un coin du jeu ou pas? Je me suis tâté à faire ça parce que quand tu mets en plein écran le live, bah t'as plus le chat, tu peux plus lire. Donc est-ce que c'est bien de mettre le chat directement dans le jeu, tu vois? Je me tâte. Alors je crois savoir quoi faire. Regardez, on avait débloqué ça juste là. Voilà. Oh merde. Merde. Et là, ici, regardez, là. Regarde, là. Là, on utilise l'allumette. Voilà. Et là, ça va cramer l'allumette. Voilà. Et on était bloqué là-dessus la dernière fois. Là, c'est bon, c'est good. C'est good. Le feu est éteint. Ça a pas marché. Attends. Il y a une goutte. Non, me dis pas qu'il y a...
Mais non! Merde! J'ai plus d'allumettes. Attendez, je recharge. Je recharge parce que j'ai plus d'allumettes. Ah putain, d'accord, fallait jouer avec le livre. Il y a une goutte qui est tombée sur mon allumette. C'est pas vrai. Donc là, je vais mettre le livre ici. Et logiquement, ça devrait couper la goutte. Je dis bien logiquement. Oh putain, ça a marché. C'est pas vrai. Les crozes, on l'a fait. Ah, fallait lui donner le sucre pour qu'elle nous donne la clé. Clé en laiton. J'ai peur. Non, ok. Faut trouver la porte en laiton. Ah si, c'était là. Si, si, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là. C'est bon! Vous êtes prêts? Hello? Je fouille, hein. Je fouille. Ok, rien là-dedans. Là! Une clé! Hey! Ouais, putain! Il veut m'embrocher! Il veut m'embrocher! Ah! Ah bah il a réussi. Bah il a réussi. Oh non! Oh merde, faut tout refaire! Ah putain, le con! L'autre il arrive là. Merde, l'autre il arrive. Oh merde. Oh merde, 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 on a eu tellement chaud. Oh putain. On a eu tellement chaud. Putain, mais leur voilà. Attends. Mais leur voilà. Mais il m'emmerde, hein, ce samouraï. Ça me les briser lui hein. Je crois que c'est parce qu'il entend l'armoire s'ouvrir, tu sais. Il entend l'armoire s'ouvrir, du coup il revient. Je suis pas très discret en même temps. Ok, donc là on a tout pris. Là on prend ça. Hop. Ok. Putain, il a disparu ce con. Il a disparu. Ok, je prends la clé. Ah mais non, je peux pas en fait. Ah! Il veut pas que je la prenne. Ah putain, il veut pas que je la prenne. Ah ok, bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a récupéré du coup? On a récupéré un clé de coffret et un chapelet. Un clé de coffret, très bien. Parce qu'il y a elle. Est-ce que c'est elle du coup? Ah! Merde. Ah, excuse-moi, j'ai raté mon rituel. Je recommence.
Par le pouvoir du saint homme. Mais vous l'avez détruit. Vous avez détruit toute la famille Inn. Mais pas du tout. Tout ça est à cause de vous. Non. Je n'y suis pour rien, madame la momie. Par contre, est-ce que t'as un truc à me donner, genre... non? Bon. D'accord. Hein? Clé en laiton. Mais j'avais pas vu ça. Putain. Il y avait une clé en laiton juste là. Bon. Donc là, les crocs, ce qu'il faut, c'est trouver un petit coffre et trouver une porte en laiton. Enfin, un cadenas en laiton. Alors, attends, je vais essayer celle-là. Même si... Ouais, non. Coucou Charlie, tu vas bien? Ah là là, ces voix, on s'en lasse pas. Non, on s'en lasse pas du tout. J'adore, moi. Il y a erreur sur la Ah, pap. Il y a erreur sur la personne, ma petite dame. Et si on sauvegardait? On peut pas sauvegarder, ok. Ah, le... Oh, putain. Je crois que j'ai trouvé le coffre. On va se mettre là. Je vais sauvegarder. Je crois que je viens de passer à côté du coffre. Il est bien ce jeu. Moi j'aime bien les croisants. Là j'aime beaucoup ce petit jeu. Attendez, le coffre il était là. Bienvenue Anarchy School. Attendez, le coffre il est là. Est-ce que ça serait celui-là à débloquer? Ah, c'était ça, eh. Bracelet en argent. Il y a des clochettes dessus. Oh putain, faut aller mettre ce bracelet sur la statue à clochettes. Il y a un petit mot. Tous les jours de pluie, il y a des fuites d'eau dans la maison de thé et je peux même entendre le bruit des gouttes dans la salle d'exposition. Ça me dérange vraiment, je n'ai permis à personne d'entrer dans la salle d'exposition pendant... Ok. Donc là. Je sais où aller. Ok. Alors attends, réfléchis. La meuf à clochette, elle est où? La meuf, elle... Ah, c'est là. Merde, il y a l'autre qui arrive. On s'en sort bien, hein, putain, je suis content, hein. On s'en sort bien. Ria... Gémou, bienvenue, Ria. Bon, tu te casses ou... Vivement qu'on se débarrasse du samouraï. Il est chiant, hein. Bon, après, ça rajoute le côté angoissant. Il est parti ou pas, là? Je sens que je vais sortir, il va être là. Attendez. J'ai peur. Il est pas là? Je sens qu'il est à droite là, non? Ah non. Non, c'est bon. Tiens! Collier! Par le pouvoir qui me sont conférés, je te libère! Du malheur! Boum! Qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Salut, Konos. Bon. Pff,
Putain, elle m'a fait peur. Ok. Très bien. Ok, let's go. Ça n'a rien changé du coup, je vais juste donner ça et d'accord. Va falloir qu'on trouve aussi un truc pour remplacer ça, hein, les crozes. Va falloir trouver un truc pour remplacer ce machin. Y'a le Samoumou! Ah, c'est une meuf maintenant! Ouais, elle me fait peur, elle par contre, vite. Elle me fait peur, elle me fait peur. Rentre là-dedans. Putain, c'est plus un samouraï! C'est plus un samouraï. Oh non. Ah, j'aime pas. J'angoisse tellement d'un coup. Ah là, 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 regardez, c'est là. C'est là, c'est là, c'est celle-là, c'est sûr. Voilà, c'est bon. Wouh! Baby! Hello? Merde, elle arrive. Elle arrive. Putain. Va vite là! Mais attendez, vous entendez ces bruits de pas? Elle va super vite là! Elle court un marathon d'un coup! Qu'est-ce qui lui arrive? Ok, on a débloqué une nouvelle pièce, une allumette, parfait! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien, j'ai plus rien là! Merde, voilà le samouraï! Oh, mais j'en ai marre de vous! Et enfermez-vous dans une armoire, faites des trucs ensemble, mais foutez-moi la paix, quoi. Putain. Oh. Oh, ça sent l'énigme. Ah, putain. Il y a une énigme. Ah, on va pouvoir remplacer ce machin. Pétard cassé. Ah, bah voilà. On a trouvé le remplaceur du... de la bougie. Parfait, on va devoir y retourner du coup. Ah, c'est ici. Regardez. Là, je vais prendre ça. Le pétard, voilà. Je prends le pétard. Et je le remplace par un pétard cassé. Voilà. Et là, maintenant, on a un pétard. Alors, à quoi va nous servir le pétard? C'est ça le... À quoi va nous servir le pétard, les crozes? Un pétard. Hein? Quoi? Quoi? Mais comment j'ai fait? Mais comment? Mais comment? On a eu un... On a une chance énorme. Non mais on a une chance énorme. Alors là... Ah! On a même pas eu le temps de... Mais gros, mais quoi? Mais je suis mort. Oh putain, les enculés. Bah attendez, fallait le trouver ça. Non mais sérieux, fallait le trouver hein. Bah attends, pourquoi j'ai pété direct là? Pourquoi j'ai pété direct? C'est le karma, Toshi? Tu penses, Louvre? Ça doit être le karma. Hein. Mais comment on était censé trouver ça, quoi? Oh, oh là là, il fallait tellement le voir! Ah, il fallait que je mette le feu. Ah, c'est bon. Il fallait que je mette le feu à la truc. Ok. C'est bon. On va se cacher.
Merde, c'est neuf. Merde, 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 merde. C'est tendu. C'est tendu. Allez. Ah, mais du coup, c'est de la merde, là, ce qu'on a fait. Ne peut pas être utilisé. Oh, putain. Qu'est-ce qu'on fait? On le tente? On le tentera plus, c'est bon. Merde, mais alors attends, comment on fait du coup? Rouleau de peinture. Bah attendez, mais faut vraiment fouiller en fait dans ce jeu. What? Ok, cette fois c'est la bonne. On se recule. Cette fois ça va péter. Ouais! Yes! On marche dans le feu là? Ah non! Mauvaise idée. L'autre il arrive encore, putain j'en peux plus. Ah! 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 Bon, il y a du feu. Sûrement prendre bac à eau. Je crois qu'il faut retourner à la truc d'eau, là. Au bol d'eau. On va retourner au bol d'eau. Et on va essayer de prendre le vase. Enfin, je sais pas. Il y a plusieurs solutions. Ah, vous voyez ? Fallait prendre le bol d'eau direct. Je vais peut-être sauvegarder moi, hein. Je vais pas faire le fou. Il fallait prendre le bol d'eau direct. Je mets un douteau. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Allez. Ça dégage. Hello there. Bah voilà cette fameuse clé. La voilà cette fameuse clé, les creuses. Et maintenant, avec ça, on va pouvoir en faire des choses. Hein. Oh putain, on a trouvé. Il y a l'autre qui va se pointer là. Viens mon salaud, viens! Ok. Bon les crosses, on vient de débloquer cette porte. Ce qui est pas dégueu. Du coup... Ah, regardez l'heure. 6h05. À tous les coups. Vous le sentez venir, ça? Est-ce que ça serait pas l'heure à mettre dans l'horloge? 6h05, retenez. 6h05. Pancarte en bois 4, ok. Allumette. Ok, 6h05, bah écoute. Oula. Ah, je viens de mettre un carré là-dedans.
Ok. Là, il y a un deuxième carré. Faut vraiment fouiller, c'est ouf. Faut vraiment fouiller. Là, regarde. Là. Non. Il y en a combien? 1. Il y en a combien? 1, 2, 3. Et... Il est tombé. Et 4. Ah. Ah, il est collé avec d'autres. Ah, il va falloir que je le décolle. D'accord, il va falloir que je le décolle. Ok, on va les garder. On va aller mettre l'heure de l'horloge, donc 18h05. Ça va peut-être nous débloquer un truc. Merde. Elle est juste derrière moi. Elle est juste derrière mes fesses. Si je me retourne... Mon Dieu. Maman. Ah, elle m'a fait peur. Collé à mon cul, quoi. Ouais, ouais, les bruits de pas sont tellement angoissants. Tellement, tellement. Je suis sûr, des fois, j'ose pas sortir de l'armoire. Bon, 18h05. Allez. Les a toutes. Faut qu'on arrive à décoller ces deux-là. Les creuses. Aidez-moi. Ah, c'est bon. On a les quatre. Oh putain. On a les quatre. On a les quatre. On a les quatre. Allez, maintenant c'est à moi de jouer. Is. Et là, là c'est incroyable. Putain, fils de Zeus, t'as vu ça? Clé en laiton, allez! Merci les creuses. Ah, je me disais, putain, il y a Jab qui m'a mis la puce à l'oreille, genre, t'y étais presque. Je me suis dit, c'est bon, je sais ce que c'est. Ok, ah, oh, c'est bien, là, on avance. Alors, clé en laiton 1. Je sais qu'il y avait une porte en laiton. Mais je sais plus où elle se trouve. Là. Là, 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 là. Quelque part ici, là. Là! J'arrive à me retrouver là-dedans quand même, c'est ouf, hein. J'arrive à avoir... Oh là. Hello. Te réveille pas, toi. Hein. Putain, c'est le samouraï. Qu'est-ce que tu t'es fait, mon pote? Oh, il s'est transpercé, ce con. Samouraï amateur, hein. Ouais, donne un indice, diable. Parce que là, putain, ça a l'air compliqué, hein. Ah!
J'ai rien dit. Pas d'indice. Votre vie se termine. Ta gueule. Ici. Oh, l'autre il arrive. L'autre il arrive. Je suis un honnête homme. Contrairement à cette femme sans vergogne, madame, mon pauvre seigneur. Donc lui c'était un gentil. Tu m'as donné quoi du coup, mec? Il m'a rien donné, ce con. Je suis déçu, là. Mais là, il n'y a plus aucun objectif, en fait. Attends. Ah, si, peut-être aller chercher la clé en cuivre, là. Ouais, si. Peut-être qu'on peut aller choper la clé en cuivre, du coup, vu qu'on a purifié le samouraï. Non, c'est ça. Elle est où? Putain, je sais plus où elle est. Ah, oh, je sais plus. Ah bah c'est là, parfait. Là. Logiquement je peux la prendre. Ouais. Putain, c'est bon ça. Après il y avait toujours la porte qui était bloquée là-bas au fond là. Peut-être ça. Hein. On a peut-être débloqué la porte avec le Putain, c'était ça. C'était ça. Oh, c'est notre fille, chérie? Non, c'est pas notre fille, ça. Allez, ça dégage. Waouh. Trop bien. Ouf. En fait, on est un exorciste, hein? On est un exorciste, en fait. C'est ça? Wop. Putain, salope! Je peux partir? Ah ouais, mais attends, hé. Oh putain. C'est maintenant. Allez. Oh. Retourne en enfer. Tiens. Va te faire enculer. Ah putain. Oh putain. Eh. J'ai chaud là. Je vous jure, j'ai chaud. Ce truc là, à mon avis, ça doit être ça. Voilà. Parfait. Bon là, du coup, on va peut-être voir notre fille. Molly. Ouais. Bonsoir Poutinette. Poutinette, t'arrives à la fin? Oh là. Il y a un monsieur. Il y a un vilain monsieur. Hello? Ça va? Oula. Mais on purifie tout le monde, on est le purificateur.
Ah, c'est lui qui nous bloquait l'étage. Ah, c'est lui qui nous bloquait l'étage. Voilà, et du coup maintenant... Il est presque minuit. Monte à l'étage, maintenant. Ah, yes. Il nous laisse monter à l'étage, Cruz. Il nous laisse monter à l'étage. Oh putain, c'est bon. Oh putain, c'est bon. C'est bon, ça, c'est bon. On y est. La conclusion. Ah! Ah! Mais putain, je vous ai libéré! Oh merde! Merde. Oh non. Oh non. Non. Merde, c'est pas où je vais. Je me suis perdu. C'est bon. Vite. Ah. Ah, dégage-toi. L'étage. 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 Attends. Je joue là, hein, je joue. Attends, me dis pas que ça finit comme ça, attends. Attends, je vais baisser un peu le son du jeu là. Attends. Ouais non, ça finit trop brutalement. Attends, on va avoir notre... On est mort 14 fois. Hein? Mais notre fille... Attendez, c'est pas fini. Attendez. Ah, c'est pas fini, d'accord, le jeu continue en fait. Mais c'est dans le 2. La suite, c'est dans le 2. C'est ça? Tous les coups, hein. À tous les coups. To be continued. Donc la suite dans le 2, les Crozes. La suite dans le 2. Bon. Bah moi j'ai bien envie de faire le 2 hein, pour voir un peu... Non, le 2 peut être bien. Ok, bah ça se finit comme ça du coup, ok. Je voulais revoir ma fille, moi je suis un peu deg. Je voulais revoir ma fille en fait. Je voulais revoir ma fille. Mais du coup je la reverrai pas avant d'avoir joué au 2, tu vois. Bon. En tout cas, ça finit bien parce qu'il est 23h, on vient de finir le jeu. Ouais, ok, c'est fini. C'est fini. Très bien. Eh bien, écoutez, fin de ce live horreur sur Paper Dolls. On l'aura terminé, je suis content. Il y aura une rediffusion sur YouTube de ce jeu. Puis voilà, les Crozes. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. C'était cool. Il est pas en français le 2 encore. Ah oui. Alors du coup, est-ce qu'on attend que le 2 soit en français pour le faire? J'avoue que ça, putain, ouais. S'il n'y a pas de français, ça va être compliqué. Hein. Toujours un plaisir de live, vraiment. Hein. Toujours un putain de plaisir. Je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne nuit, et puis voilà, dormez bien, bon courage pour demain, à ceux qui bossent, et puis voilà. À très vite, les Crozes. Ciao, ciao!
Bye.